chaque année, nous recrutons une centaine de personnes sur le ACI. 80% de ces personnes ont des difficultés dans les compétences classiques. J'ai mobilisé sur les compétences de base parce qu'on s'est aperçu que de plus en plus les services administratifs et sociaux sont informatisés. Nos personnels ont des difficultés pour pouvoir répondre à ces services-là. La durée moyenne de notre accompagnement est de 6 mois par agent. Et les 6 mois ne sont pas suffisants pour pouvoir, entre guillemets, leur permettre de lever tous ces freins de compétences. C'est sur ce constat qu'on s'est mobilisé. Quand on a engagé le débat Evagile, le constat s'est avéré qu'il faut un accompagnement plus poussé. Avec l'ensemble de nos collaborateurs, aussi bien OTI que CIP et responsable, ça a mis en place d'un protocole pour qu'il se décline en fin de compte sur un test de positionnement vis-à-vis de nos agents qui nous permettent entre guillemets de déceler les différentes difficultés de chacun. Ce test de positionnement nous permet de pouvoir mettre en place des ateliers aussi bien en salle, aussi sur le terrain, sous forme d'interaction, de jeu ou même de travail commun. Nous développons aussi les formations si on travaille. Je peux prendre un exemple, le calcul des semences pour mettre sur un bion, calculer le poids quand on prépare des paniers, que quelques situations courantes du travail qui se fait sur le jardin. On a mobilisé notre partenaire externe, Uniformation. Aujourd'hui, sur le projet Evagile, nous sommes la continuité du projet. Les détails sur nos projets sont la formation sur le terrain, l'accompagnement de nos agents sur les formations. Pour les compétences informatiques de nos agents, il faut qu'on en fasse plus pour leur quotidien et pour leur futur.